عبد القادر يرون دام فعاود ويدك صبح ما ديت وليدات تسليمان اسم اتسام ما يفيد برياسام نغوي باجي لندش ما يتسل ساير فلها ورتي خصوانا هاي تي خصني ارقاز من ساير فلها سوالي غتوالي في غرم ثنواتي صغير اسوالي غتوالي في رصي غلواتي بلدان اسوالي غتوالي اسبغ انا غسل البن Un portrait de l'émir, enfin du l'émir Abdelkader, cher soufi et franc-maçon. L'émir Abdelkader, 1808-1883, est connu pour sa résistance héroïque à la conquête française de l'Algérie. On sait moins qu'il fut un grand mystique, à la fois membre de plusieurs confréries soufis et franc-maçon. Il est initié très jeune à la Qadiriyya, dont son père était un cheikh. Plus tard, il s'affilie également à la Naqshbandiya et à la Shadiliya. Musulman fervent, il proclame en 1832 le djihad contre les colons français et devient un guide autant politique que religieux de la jeune nation algérienne. Toutefois, après sa reddition en 1847, commence une seconde vie marquée par l'approfondissement de sa quête spirituelle. Il s'exile à Damas, où il fonde une école mystique inspirée des préceptes d'Ibn al-Arabi, le grand gnostique andalou, au tournant des XIIe-XIIIe siècles, dont il occupe d'ailleurs la demeure. C'est également à Damas, par l'intermédiaire d'un ami libanais, qu'il approche la franc-maçonnerie française. Et c'est lors d'un voyage à Alexandrie en 1864, qu'il est initié à la loge Les Pyramides. S'il semble n'avoir jamais mené une vie maçonnique très active, il déclarera pourtant par la suite qu'il s'agit de la plus admirable institution de la Terre capable de fédérer Occident et Orient. Dispensant un enseignement soufi considéré par ses disciples comme un saint, il finit ses jours dans la capitale syrienne et se fait enterrer aux côtés d'Ibn al-Arabi, son inspirateur, avant que ses cendres ne soient rapatriées en Algérie en 1966. Encore aujourd'hui, son portrait figure en bonne place dans les locaux du Grand Orient de France, à Paris, où on l'a considéré en son temps comme un trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée. Donc portrait de l'émir Abdelkader à l'époque où il est chef de guerre opposé aux troupes françaises en Algérie, tableau de E.M. Godefroy, 1835. Je n'invente rien, c'est tout écrit. Bon, après, hein, franchement, l'Algérie française, hein, bon, pour moi, c'est pareil, c'est pas... Bon, l'Algérie islamique, hein... Tout dépend, mes potes, hein, c'est... Les frères comprendront, hein, c'est... L'Algérie, quoi. Après, ça veut pas dire que, parce qu'il était franc-maçon, c'était un connard, hein, ça veut juste dire que... La réalité du terrain, c'est que tout le monde adhère à des trucs, hein... Maintenant, ce que je me dis, c'est un truc de bourgeois, franchement.